Innocent, konnichiwa. Aujourd'hui, je suis dans le sud de la France. Je suis avec la fine équipe et on va escalader la Sainte-Victoire. Donc, ça va être un parcours intéressant. Et avec au sommet une cérémonie du thé, directement avec un maître japonais qui vient directement du Japon. Voilà, donc on va y aller petit à petit. Kyowa! Tenki ga suzushikute atatakai mo da atatakai mo e hajimarimasu kara tenki ga genki desu e tabun ue ni ato de ue ni iru kara tabun tsukare ni narimasu ne omoshiroi michi desu. Akase no hogai? Oula, on veut pas. Dozo, allez-y. Yamada-san, qu'est-ce qui est Gaïlou? Gaïlou, qu'est-ce qui était? Ça commence à bien grimper. M'entendre, je pense que ça doit se ressentir. Le paysage est toujours superbe. Ah là c'est parfait pour faire du parapente. Yeah. Et canyoning, j'étais à côté de Galimaska. Canyoning. Canyoning, canyoning, non. Oh, tout est moins muscashi. Muscashi, non. Honto des. Tu m'as il arrivé là. C'est pareil. Et Amari, Dani Moinai, Aïmasen de Chitane. Mina wa uchi wo uchi ni imasu. Télévi wo mite iru. Hirone wo shittara sugoi hayai desu. あ、赤線。
On a une altitude de 2000 mètres quand on se trouve en haut de la Sainte-Victoire. Zembo Gamier et Mas. On se rapproche de l'arrivée. Les derniers mètres. Ah mais j'ai perdu. Il a déjà disparu. Il est en haut, voilà. Parce qu'après on repart par là. Bon mais je crois que c'est les derniers mètres. Après ça sera là. Ça. On va planter le drapeau après. Vous avez porté la tente ou le drapeau? T'as pas le drapeau cubain sur ta casquette? Ouais, non, je crois qu'il y a que le dos cubain, il n'y a pas le drapeau. Combien de temps on a mis à peu près? Je sais pas à quelle heure on est parti. Une heure peut-être? Une heure et demie? Et encore marche forcée. C'est là-bas. Je reconnais la carrière là qui est. Ah, ouais. Et en plus, donc ça, c'est le massif de la Sainte-Baume. Ouais, d'accord. Sur la gauche avec la falaise. Et le Garlaban, et bien à droite. On devine bien. Oh. C'est Gardanne là-bas? Ouais. À la cheminée. Et on voit, on voit les quartiers nord de Marseille avec. Ouais, avec avant les usines, c'est quoi? C'est Martigues. Merargues, c'est plus de l'autre côté de l'étang, non? On aura peut-être mieux. Ils sont là. Oui, oui, il a découlé de là. En plus, il va pas très vite. Elle va directement au parking en bas. Ah, j'ai pas vu passer. Donc là, c'est le minimum syndical pour faire la remontée. Vous avez votre vol le 9 mai. C'est la pointe à faire. Le tiercel, le fouet devant vous et le tiercel, la cuillère pour faire. Donc à chaque fois on a entre 40 et 60 grammes. Alors là, la première roue elle sert à réchauffer le vol. Donc la première roue elle va être. Donc il vérifie toujours si les fibres du fouet devant vous ne sont ni ployées ni cassées. Et ce geste permet aussi de ramollir les pointes pour ne pas les casser au moment de les mouvements. Il réchauffe tous les bords du vol avec vous. Puisque s'il met le pied dans un bol fin, on va trop descendre en température. La température optimale, c'est de 85 degrés. Là, au cas où, tout le monde, j'ai arrêté ça. Voilà, là, vous pouvez déguster donc le petit. Ah non, César, qu'est-ce qu'il est pas, non. À voilà. Grade, si, si c'est trop dur pour vous de rester en César, vous pouvez vous mettre confortablement. Oui, vous pouvez vraiment vous asseoir. Non, mais... Et donc il faut toujours déguster la pâtisserie. Donc elle vient de Ehime, c'est l'île de Shikoku. Vous avez quatre grandes îles, vous voyez, c'est la quatrième la moins connue. Voilà. C'est une pâtisserie à la pâte de haricot. Vous êtes allé? Ah, c'est où il était là? C'est une pâte de haricot rouge et vous avez une croûte au blé.
courir la table de la rue. Mais elle est en transparence. Ouais. C'est pour ça qu'on voit tout le bébé. Donc il verse toujours pour la bonne quantité d'eau, c'est entre 40 et 60 grammes d'eau. Nous à 85 degrés, c'est pour ça qu'il a préparé à l'avance de l'eau dans un thermos. Et ça c'est le plus important, c'est d'avoir exactement 85 degrés en eau. On a toujours un geste très précis, le poignet ne bouge, voilà, le bras ne bouge presque pas. Et en comptant, c'est environ 30 secondes de mouvement. C'est pas dépassé 30 secondes, sinon on passe vraiment quelque chose de sucré à amer. On va trop passer le sucre. Bon ben voilà, ça y est, on est arrivé, on a terminé la descente. La montée était un peu plus difficile. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Matanée.